Chers amis, chers élèves, chers étudiants, alors aujourd'hui, il n'y aura pas de tuto technique, mais plutôt des impressions que j'aimerais partager avec vous. Je parlais beaucoup de sens dans mes tutos précédents, et je voudrais vous montrer quelque chose, un objet qui me tient particulièrement à cœur, qui est une sculpture, une poterie, d'une femme qui est enceinte. C'est une flûte. Je vais vous en jouer deux, trois mots. Très costaud. Je les vois ça, je sors du jardinage. J'ai un moustique. Et alors, cet objet, il compte beaucoup pour moi parce que je l'ai. On me l'a donné. En 1995, je me suis mariée et je suis partie au Mexique en routard avec mon mari de l'époque. Et un jour, on a fait une balade dans la forêt, autant vous dire la forêt, la jungle. On a fait une très très grande ascension, c'était dans une montagne. Et j'en pouvais plus, j'étais prête à vraiment abandonner. Puis à un moment donné, on est arrivé sur un palier et il y avait des hommes et des femmes, des Indiens, qui faisaient leur atelier, mais c'était pas du tout pour les touristes, c'était pour les gens, c'était pour eux-mêmes. Et cette femme enceinte, cette flûte sous forme de femme enceinte que je trouve magnifique, m'ont tellement vue, j'étais tellement au bout de ma vie parce que je me suis dit que jamais je réussirais à monter l'ascension, qu'il y a un des hommes qui m'a offert cette flûte. Et bien sûr, je n'avais pas d'enfant, j'allais être maman l'année d'après. Et ces petites notes-là, elles n'ont rien de technique, mais c'est quelque chose dans ma vie qui compte énormément. On se focalise sur la technique, l'instrument, choisir le meilleur bec, le meilleur archet. Tout ça, c'est très important, mais ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est ça, c'est-à-dire c'est d'offrir votre musique, parce qu'il faut vous dire que offrir la musique aux autres, c'est leur offrir du réconfort, c'est leur offrir de la beauté, c'est de leur offrir une part de vous-même, de vos efforts. Voilà, c'est infesté de moustiques, donc je vais arrêter ce tuto, mais et d'ailleurs, je vous dis au revoir en musique.